À un moment donné de l'histoire, le symbole de la fleur de vie prévalait sur la terre entière. On trouve la fleur de vie gardée par des lions dans la plupart des endroits saints, en Chine et dans d'autres parties de l'Asie. Les 64 hexagrammes du Yi Qing entourent souvent le symbole du yin et du yang, ce qui est une autre façon de représenter la fleur de vie. La base géométrique de tous les solides platoniques se trouve dans la fleur de vie, fondamentalement toute forme qui peut exister. La fleur de vie ancienne commence par la géométrie de l'étoile de David ou de triangles pointant vers le haut et vers le bas, ou ce qui serait un tétraèdre en 3D. Ce symbole est un yantra, une espèce de programme existant dans l'univers, la machine qui crée notre monde fractal. Yantra est utilisé comme méthode pour éveiller la conscience depuis des millénaires. La forme visuelle de yantra est une représentation extérieure du processus intérieur d'un développement spirituel. C'est la musique cachée de l'univers révélée, comprenant des formes géométriques entrecroisées et des modèles d'interférence. Chaque chakra est un lotus, un yantra, un centre psychophysiologique par lequel on peut ressentir le monde.